Bonsoir, ou plutôt rebonsoir. Nous sommes ravis avec Olivier de vous retrouver pour une émission, on peut dire, exceptionnelle. Exceptionnelle en effet, puisque on vous l'avait promis, c'est maintenant chose faite, nous allons évoquer ensemble l'anniversaire de Fort Boyard, 15 ans déjà que l'émission existe. Alors les enfants viennent de partir, ils ont été formidables, ils ont été très bons, ils ont gagné un maximum de Boyard et ils nous ont laissé un maximum de souvenirs. Ce ne sont pas les seuls et c'est ce que vous allez pouvoir découvrir durant toute cette émission. Alors, si nous sommes ici, c'est donc pour évoquer ces 15 ans, mais 15 ans, ça veut dire en fait 1000 émissions. 1000 émissions en comptant bien sûr les émissions étrangères, car vous le savez, Fort Boyard est vendu dans 65 pays depuis 15 ans. Autant dire donc que ça en fait des souvenirs à évoquer. Donc dans cette émission, vous allez découvrir tous les moments forts, et c'est le cas de le dire, qui ont fait la légende de Boyard. Les coulisses du fort, la face cachée des épreuves, les lieux stratégiques du fort, bref, le fort comme vous ne l'avez jamais vu. Alors justement, puisqu'on parlait du fort que vous n'avez jamais vu, par exemple ici, voilà bel et bien un endroit que vous ne voyez jamais dans les émissions que vous suivez sur France 2, et pour cause, c'est ce qu'on appelle la plateforme extérieure. Cet endroit est important et ô combien, puisque c'est ici que nous réceptionnons les candidats qui viennent participer à l'émission. Ils viennent non pas à la nage, mais par bateau, et une fois que le bateau est arrivé, c'est grâce à cette nacelle que nous pouvons enfin les accueillir. Attention, danger. Et là, des candidats un peu particuliers, d'ailleurs ce ne sont pas des candidats. Voici quelques-uns de nos illustres prédécesseurs. Il s'agit de Sophie d'avant, Sandrine Dominguez. Oh, j'ai plus l'habitude. J'ai plus l'habitude. Sarah. Il tient debout encore. Ça va. Moi, j'en vois ce que les mecs. Bienvenue chez vous, alors on peut dire ça. Tu vas bien. Bienvenue à la maison. Tu reprends les clés? Bah oui, je reprends. On va reprendre les clés. Hein. Ah, vous voulez qu'on parte, c'est ça? On va vous laisser ça. Vous avez ravalé la façade, là? Ça paraît plus net, non? Donc, enfin, oui, la façade peut-être un peu, le perfour à pas. Dis-moi, c'est ce que je barbe et dégueulis, là, tout, c'est mon vieux complice, là. Oh, moi! Toujours aussi sourd, hein? Oui, je suis pas sûr que tu t'entends. Non, je ne suis pas sourd. C'est l'émotion. Les mots me manquent, c'est tout. Oh! Coucou Patrice, et dire que je l'ai connu stagiaire. Et Sarah et moi, on est vraiment très heureux et très émus surtout de vous avoir avec nous. Franchement, on y va, parce que c'est vous qui avez marqué l'histoire de cette émission. On va le remarquer, le voir tout au long de cette soirée. Mais tiens d'ailleurs, puisqu'on parle de... Ça va bien, oui. Je l'ai pas connu, donc tu vois, je profite. Essaye de voir comment je réagis. C'est les jeunes présentatrices, moi. Bon, je sais pas comment elles doivent le prendre. Hein, j'ai dit les jeunes présentatrices, c'est plutôt gentil, je trouve. Oui, bien sûr, mais ça veut donc dire que dans 15 ans, ça allait encore. Alors, tu voulais dire quoi? Oui, je voulais vous dire que donc, pendant cette émission, on va donc évoquer bien sûr des souvenirs que vous avez en commun, bien entendu, avec ceux qui nous regardent ce soir, mais aussi des choses en effet, comme tu disais Sandrine, qui n'ont jamais été vues. On vous propose peut-être d'abord pour commencer eh bien, un petit making-of. C'est quoi le making-of? C'est la préparation. Tu parles bien anglais, toi et moi. Comment traduit-on en making-of? Mais non, mais tu lui réponds pas parce qu'il se moque de toi, tu sais très bien qui c'est. Les coulisses. Les coulisses. Ah, les coulisses. Sandrine, la fabrication. Les coulisses of the Fort Boyard. Nous avons donc proposé une émission avec les enfants. Vous allez voir donc ce qui s'est passé derrière le décor. Action, c'est parti. Bon anniversaire, la millième. C'est maintenant. Mon coach qui me téléphone, qui me dit tu vas faire Fort Boyard. Au début mon père il l'a pas cru, il a cru que c'était un gars quoi. Au début j'étais un petit peu jaloux parce que mon frère il le faisait et après j'étais super contente. Quand on m'a appris ça j'étais super contente. 3, 2, 1. On va essayer de faire tous les mouvements. Tu t'es accroupi, tu t'es assis, voilà par exemple c'est bon. Assis, une jambe en l'air. Ça va ou pas pour demain? Ça va. Juste les araignées, tout ça. Y'a rien que les migas, c'est... Je les sens pas bien, quoi. Mais bon. Je suis un peu angoissée parce que ça fait des preuves avec des serpents. J'aime bien quand t'as le sol qui te descend. Comme c'est dur, ça. Moi, je suis passée voir passe-partout et la boule, ça tombe. Bonjour les enfants. Bisous. Ah ouais, vous allez faire la vidéo, c'est moi. Et vous arrivez d'où là? De Paris ou... Bah lui de Paris. La Savoie. La Savoie. Vous êtes déjà allé là-bas, bien, sur le phare? Non. Vous êtes prêts? Pour les petits princes. Les petits princes. Thank you.
de sécurité pour le transbordement du panier, pour pouvoir monter sur le fort en toute sécurité. Vous êtes prêts ? C'est prêt ! C'est parti ! Attention ! Ah c'est de la balle ! C'est incroyable ! C'est de la balle ? C'est de la balle ! Allez les enfants, sortez, sortez ! Vous vous sentez comment ? Bien. Heureux. Impressionné. Impressionné. Et regardez, vous y êtes. Il est petit, hein ? Oh, il est tout petit. Il n'y a que ça. Trop quoi ? Trop bien. Trop bien, trop bien. Mais c'est quoi trop bien ? Là, on dirait qu'il est tout petit, mais dans les salles. Ouais, derrière, regarde. Allez, venez au premier étage, vous allez le voir au milieu. C'est long, ça. Petit. Alors, moi j'irai où déjà ? C'est tout petit. J'irai où ? On va utiliser des voyères particuliers cette année. Ils sont plus flexibles que les autres et surtout beaucoup plus volatiles. Souffle dessus. Et tu vois, à ce moment-là, il disparaît. Et là, souffle dessus. Et à ce moment-là, il revient. Ce sont les nouveaux voyères. Tiens, soyez les bienvenus. C'est 20 000 euros. Aucun adulte n'a jamais fait ça. Alors là, vous leur mettriez une bonne pâtée, ce serait bien ça aussi. Pour les petits princes, la vie en blanc sont là. Allez, viens, Olivier, il est temps que je t'explique quand même, fasse un peu d'histoire. Un petit cours d'histoire géo, c'est le moment de prendre des notes. Ça va me rafraîchir la mémoire. Alors. Comment ça s'est passé ? Moi, je m'y connais en histoire. Comment ça s'est passé ? Oui. Ça s'est passé. En vérité, le fort existe depuis 150 ans. Mais l'idée vient de beaucoup plus loin. Comment ? Hein ? Pas trop vite ? Puisque Louis XIV l'a souhaité lui-même, il n'a été réalisé que sous Bonaparte. Mais pourquoi ? Pourquoi ? Parce que... il fallait tirer. Il fallait tirer donc les... bah, les boum, les balles qui passaient. Doucement, oui. Et les canons, tiens, bois un coup. Et continue parce que là, je me souviens plus. Les Anglais cherchaient bien sûr à nous envahir, ils ont toujours cherché comme à toujours, le faire. Absolument. Et Louis XIV s'était dit que le meilleur moyen, puisque la portée des canons n'était pas suffisante, pour préserver cet espace-ci de notre territoire, c'était de placer un fort à mi-chemin entre l'île d'Aix et l'île de Léron, de manière à diviser par deux la portée des canons qui faisaient défaut à la France. Voilà. Le problème, c'est qu'en effet, à partir du moment où Bonaparte a commencé les travaux d'empirement au départ. Et puis au moment où, sous Napoléon III, le fort est enfin sorti des eaux complètement, la balistique avait changé et c'était terminé. Donc après, t'es livré au pillard, 1913, tout ça, bon, ça, comme ça. Non, mais 1913, je me souviens plus. Je vais trouver tout de suite, attendez, qu'on me donne une seconde. Où est-ce que j'ai mis ça déjà ? Mais ce que je sais, c'est qu'en 89, Jacques-Antoine, oui, qui était une sorte de Bonaparte d'ailleurs, c'est vrai, a vu ce lieu et en a fait un plateau télévision. Ça ne pouvait être qu'un plateau télévision. Le problème, c'est qu'il y avait des pierres partout, il y avait des trucs comme ça. Donc, la Charente-Maritime s'est alliée à Jacques-Antoine, ils ont rénové entièrement ce fort dans lequel tu as fait tes débuts brillants, Olivier. Et depuis, c'est le plus beau plateau de télévision du monde. C'est fou, ça. Eh oui, depuis 15 ans, l'histoire continue. D'ailleurs, j'ai des trucs à te raconter. Donc, oui. Quand je suis arrivé moi-même... C'était pourri, ici. C'était pourri, moi-même, j'étais pas en grande forme. Mais non, c'est n'importe quoi. Qu'est-ce que c'est, ça ? Oh, mais c'est pas ça du tout. Je sais pas pourquoi il s'énerve. Non, parce qu'on m'a toujours dit que j'avais pas de condition physique. Je te le dis, sur 2,50 m.
suis le plus rapide de l'Ouest. Le plus rapide, c'est, je pense, c'est Passepartout. Oh, ouais, ouais, moi, j'ai fait imbattable. J'ai fait la course. Je le prends quand il est. Et t'as perdu ? À chaque fois. Ouais, je sais. Il est redoutable. C'est vrai ? Redoutable, Dédé. Et plus ça va, plus court, Vicky, pareil. Patrice, t'as une mémoire incroyable. De quoi ? De quoi je me mêle, toi ? Mais comment tu me parles ? Je parlais comme ça, moi, attends. Et certains, d'ailleurs, disent que t'es plus sympa que. C'est vrai qu'il est plus sympa. Non. Toi, t'étais très. Moi, j'étais aussi. Mais à la fin, tu te radoucissais un petit peu. Tu montrais quand même que t'étais sympa. Le maître, quand même. Regarde. Bon, qu'est-ce qui se passe? Bon, t'as une mémoire incroyable. Et si, et si... Allez, passons à autre chose. Oui. Si j'ai bien compris, si je t'ai bien écouté, chose que j'ai fait, Fort Boyard, c'est le plus ancien des plateaux télé. Bon, je veux maintenant ma nièce. Parce que pour vous, ça marche pas pour le coup. Bon, justement, puisque tu évoquais ça, si on continuait dans notre prospective archéologique avec la première émission, la toute première, t'y étais pas. Ah, non. André y était. Toi, tu n'y étais pas, là. Non. Si, t'étais déjà là aussi. Ah, t'étais moi, là aussi, là. Pardon, excuse-moi. Et toi, tu y étais aussi. Ouais. Tu vas pas nous remonter ça? Si. Oh, non. Les clés de Fort Boyard, ça s'appelle. Ouais. Vous allez voir. Ah, les clés de Fort Boyard. Ah, ouais. Il y avait des clés. Notre camarade André, ici présent. Oui, André qui va jouer un rôle important, ici présent. Il s'appelle André, mais on l'appelle avec son Passepartout. Vous avez sûrement deviné pourquoi, parce que c'est lui qui va ouvrir les portes. Un baroudeur, c'est pas mal. Hein, bon, ça va, vous avez une mère un peu difficile, mais c'était le but de l'aventure. Vous lui donnez des choses, vous vous déshabillez, s'il vous plaît. Alors, vous connaissez les règles, vous les avez acceptées, on est bien d'accord? Vous savez que, au début, pour obtenir la clé qui va ouvrir les deux premières cellules, l'un de vous devra monter en vigilabo, rejoindre le père Foura. Qui va vous poser une énigme. Ce sera qui? C'est lui l'intellectuel, Christophe. Christophe, vous venez bien respect, avec mon moi. Cher intellectuel. Vous restez avec Marie, vous avez une bonne. Les montres, c'est terminé. Voilà. Il vaut mieux les enlever parce qu'on ne sait jamais, il se passe beaucoup de choses ici. Par contre, si Christophe échoue à l'énigme, le père Foura, qui n'est qui est pas un gentil monsieur, parce qu'il a beaucoup vécu et tout, donc il laissera tomber la clé dans la mer. Et là, entre vous devra aller. C'est Dominique? Bon, il prend les risques, Dominique. C'est bien. Bon, le capitaine, c'est qui? Les autres Dominique, d'accord. Vous avez accepté les règles, tout va bien? Je sais que vous appelez Doumé, d'ailleurs. On vous appelle Doumé. Donc c'était en quelle année? Bon, eh bien, bonne chance pour l'aventure de Fort Boyard. Je vais demander à Passepartout André d'aller, en ouvrant les grilles, poussez-vous, population, là. Ils sont gentils, mais ils sont un peu envahissants. D'aller vers le gong, et à partir du moment où il va taper sur le gong, vous avez 50 minutes, c'est toi qui sonnais le gong. Vous êtes d'accord? André, allons-y. Ah, ouais. Patrice, tu courais! Tu courais super bien, là, c'est ce que j'ai montré tout à l'heure. Voilà. Non, tu peux nous montrer comment ça se passe? Non, il faut que tu cours là. Non, vas-y, cours. Attends, tu me permets. C'est le petit moment. On va revoir à nouveau parce que c'est remarquant. Si le bras, regardez, le bras ferme et en même temps souple. Je cours. Oui. Non, c'est très beau, c'est très beau. Toi, on ne doit pas du masque courir, je te ferai remarquer dans le fort. Oui, c'est vrai, j'ai parti des collines. Regarde. Tout dans l'élégance, cet homme reste élégant, même dans le mouvement. Je suis désolé, mais même dans le virage, j'accroche pas mal. À côté du mec est vachement athlétique, bon, en arrière. Non, c'est bien. Oh là, la légèreté de la mouette, la félinité du tigre, quelle élégance, quel style. Ça me rappelle Jean-Claude Brialy. Non, d'ailleurs, j'en vais en profiter d'ailleurs, pour rendre hommage à un candidat qui était le premier candidat de Fort Boyard. Qui s'appelait Joël, qu'on a finalement appelé Monsieur Jo, qui n'avait pas tout compris, toutes les règles, comme moi d'ailleurs, et ça donne des choses assez particulières. Monsieur Jo, voilà. Bref, réfléchissez bien, regardez bien, c'est de la réflexion. Attention, ouvrez la porte. J'y vais. Stop. Vas-y. Fermé. Qu'est-ce que tu vois, Jo? Est-ce que tu vois la clé? Oui, on a vu la clé. Allez sur regarde dans le fond de la cellule. Est-ce que mais tu as vu c'est que c'est pas le seul, hein, que... Attends, et moi quand j'ai fait les épreuves, est-ce que tu as vu la clé, non, mais quand même. Derrière toi. J'attends, on va faire un fondu au noir, il ne l'a pas fait. Va servir pour avoir la clé. Il retourne, Jo, reviens à la maison. Le tuyau de montage, tu le prends.
Prends le tuyau d'arrosage, Joe, le tuyau d'arrosage. Il va rester combien de temps comme ça? Le tuyau qui coule, Joe. Le tuyau, Joe. Joe, le tuyau qui coule. Mais le papiste, il donne aucune indication. Non, mais c'est pas moi le donner. Le tuyau qui coule, Joe. Le tuyau, Joe. Le tuyau, Joe, le tuyau d'arrosage, prends-le. Faut prendre le tuyau, Joe, faut prendre le tuyau. Dans cette épreuve, il faut pincer le tuyau et, avec le jet, remplir l'alambic qui va soulever la clé et la libérer. Voilà, alors maintenant vers la gauche. Là-dedans. Remplis, prends non, le sur pas. Voilà, vise du grand trou. Voilà, le grand trou à gauche. Non, ne le sortez pas. Non, non, le sortez pas. Passe le tuyau et remplis. Passe le tuyau et remplis-le dans le... Là, dans ça, voilà. là. Qu'est-ce qu'il fait? Oh là là. Bon, il faut le faire sortir. Ah, ça, c'est une réplique que je connais bien. 15 ans après, c'est toujours la même, non? Il n'a rien compris du tout. Alors, est-ce que vous voulez libérer les prisonniers ou pas? C'est maintenant. Oui, on les libère. Vous voulez libérer, donc appelez à la vigie tout de suite. C'est vrai, c'était où, Marie-Claude? Il s'était fait prisonnier. Elle était au pied de la ville. Non, mais en fait, à l'époque, vous faisiez une cellule, chacun. C'est-à-dire, tu faisais une cellule, pendant ce temps-là, elle attendait, et puis elle réceptionnait, et elle en faisait une autre. Et vous étiez, oui, ouais. Vous étiez en fait en alternance. Oui. C'est comme ça que ça fonctionne. Ah ouais, et les énigmes n'étaient pas que dans la vigie. Pardon? Il y avait des énigmes partout, en fait. Oui, partout. J'ai retrouvé même à la maison, j'en ai retrouvé. Moi, j'ai connu des Jo. Allons-y alors. D'ailleurs, monsieur Jo a fait une longue lignée de candidats, ceux qu'on a baptisés les... qu'est-ce qu'il faut faire? Décroche en une, tire dessus, tire sur une seule clé, tire sur une clé, voilà, viens, t'as vu les erreurs à tes yeux? Regarde bien les mots surtout. Mais je peux pas là. Regarde sur le côté. Regarde le côté. Trop tard, il est passé. Hey, Philippe, arrête-toi, arrête-toi. Avance. Voilà, vas-y. Stop là, regarde. Regarde, hey, Philippe, c'est dans les insectes, il y avait le message. De l'autre côté. Voilà, tu soulèves d'un cran. Aurélien, tu mets le truc dans le trou. De quel truc? Dans le truc du bon champ. Aurélien! Non, il est pas sourd, il est sur une autre planète. Aurélien! Mais qu'est-ce qu'il regarde les sourds? Aurélien! Regarde tes pieds! Non, non, faut qu'il essaye les clés sur la serrure qui a tes pieds! Allez, j'ai là, c'est toi! Il faut que tu lises le mot, Loana! Elle n'arrive pas à lire le mot, j'ai l'impression. Avance vers le prochain, sinon. Alors, écoutez là. C'est quoi le mot, Loana? Elle part avec la fiole et le mot inscrit dessus. Elle n'a peut-être pas encore tout à fait lu. Il y a un truc, faut mettre dedans. Voilà. Voilà. C'est comme un... Voilà. Allez. Non, pas dans les souris. Je vois quoi? Là, voilà. Bravo. Allez. Regarde bien. Bois dans l'éprouvette. Bois. À droite. Là. À droite. Bois le liquide. Allez. Non, il veut pas. Tu peux y arriver, tu sais. Vous voulez que je le motive? Non, monte sur le tapis. Monte sur le tapis. Allez. Sandrine, qu'est-ce que tu dirais pour le motiver? Allez, prends le saut, voilà, prends-toi. Arrête-toi, regarde bien. À droite, regarde. Mais regarde nulle part. Tes pieds, regarde à tes pieds, tu as trois serrures. Tu dois essayer les clés dans les serrures. Put the key inside. Voilà. Mets la première, ça marche pas. Fais la deuxième. Fais la troisième aussi. T'avais compris un peu tard, non, le principe? Non? T'avais compris ou pas le principe de l'école? Je comprenais rien. Bah puisque c'est comme ça, pour 2005, on va oublier l'épreuve géopotentielle du catacisme, et puis voilà, et puis on fera, un jeu de loi, ou tiens, une course en sac, tiens, voilà, allons-y.
Le fort, vous le connaissez mieux que moi, vous le connaissez par cœur. Pas mal. Hein? Pas mieux que toi, non, je crois pas, moi. Non, tu dois 10 ans, t'as fait combien d'années, toi? 2 ans. 2 ans, comme ouais, moi, mais à l'époque, c'était long. Il y avait une saison d'été, une saison d'hiver. Une saison d'hiver. Ouais. Alors, le fort, c'est qu'on peut dire que c'est du suspense, c'est de l'action, c'est de l'émotion, c'est de la peur. Ouais, c'est tout ça à la fois, t'as c'est vrai, t'as raison. C'est une aventure humaine fabuleuse. Voilà. Ça, et puis surtout de la séduction aussi. Oui, un petit côté sexy. Je suis sûre que si on organisait un sondage auprès des hommes, leur cellule préférée, c'est probablement celle-là, la cellule des cylindres. Je sais pas pourquoi d'ailleurs. À mon avis, c'est un point de vue sur l'effort du fort. Tu vois ce que je veux dire là? Il faut toujours regarder la clé, tu vois, bien fixer la clé. On se demande pourquoi. Ouais, à mon avis, c'est une cellule qui met particulièrement en valeur pas comment on pourrait dire. Une forme. Les qualités physiques des candidates. Oui, ça doit être ça, je pense. On peut dire ça, moi je crois que c'est ça. T'as des images, c'est ça? Des filles qui ont fait l'épreuve? Des filles et surtout des garçons qui regardent les filles. Ah, ça c'est bon, je préfère, Marc. Oh, qu'elle est belle. Ooh, baby. Smile me, baby, you start to lie. In for rats to see me move through. I'm gonna like the way you find sex bombs, sex bomb. You're a sex bomb, and you can give it to me when I need to come along. Sex bomb, sex bomb. You're my sex bomb. Elle a l'air douce. Baby, you can turn me on. Baby, you can turn me on. Do you no harm? There's bombs for loving, and you can shoot it far. I'm your main target. Come and help me ignite. Love struck, holding you tight. Sex bomb, sex bomb. You're a sex bomb, and you can give it to me when I need to come along. Sex bomb, sex bomb. You're my sex bomb, and baby, you can turn. Oh, j'aimerais bien l'ajouter à ma collection. You can give me more and more and counting up the score. You can turn me upside down and inside out. You can make me feel the real deal. And I can give it to you anytime because you're mine. Monsieur, adieu plutôt qu'à ses seins. Quoi, bah quoi. On s'instruit, on s'instruit, regarde. Un peu trop court, non, c'est ça la séquence, un peu trop courte, non? Non, c'est bon, pas plus que ça. L'air de rien. Oh là 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 là. Oh, viens ici. Quelle est mignonne. Oh là là. Non, ce qu'on peut dire aussi, c'est que non, mais il n'y a pas que ça. Vous avez aussi, c'est vrai, des qualités de courage, de patience, de ténacité, tout ça. Parle des femmes, là. Oui, des femmes, d'accord. Mais aussi, vous avez tendance à perdre un peu votre sang-froid devant des petites... Des bestioles. C'est toujours une bête qui monte. Absolument, hein. Voilà. Allez, les femmes. Je peux pas, c'est horrible. Épaule à terre, ça m'a été José.
Fais ton passé. Thomas, Thomas. Arrête pas de crier, tu vas faire peur aux bêtes. Mais pas! Il y a des cafards. Il y a des cafards. Ah non, non, non. Alors, vas-y, vas-y, vas-y. 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 Vas-y, Je peux pas y toucher dans le... Oui, 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 pousse le bon toi dans le fond. Vas-y, vas-y, vas-y. T'es capable, vas-y. Je vais y aller. Oh, oh. Oh là là, dis on t'arrête un peu de faire ta chuchote maintenant. Et tu plonges ta main là-dedans, là. Oh, je peux c'est trop dégueulasse. Vas-y, comme une expérience, vous faites, tu... Ok, c'est ça. Sophie, moi, elle est allée tester les cylindres, parce que ça fait longtemps qu'elle a envie de... Surtout depuis que... Non, mais elle est où? Je sais pas, elle est partie. Vous êtes là? Oh, il y a quelqu'un? Ce sont les cylindres, même ça. Non, alors, on se met les coups, attends, j'ai vu ça en effet, j'ai vu ça en effet. Je regarde simplement deux secondes. Ah oui, en effet. Mais un passe-partout, sois pas nerveux comme ça. En effet, c'est bien ce que je pensais. Cette cellule a l'air de rien comme ça, mais c'est une cellule culte. On peut dire que c'est un grand classique. Ouais, moi, je me souviens, même si je ne me trompe pas, de l'endroit où on est, il y a des seaux, il y a de l'eau, il y a un tapis. Et des moments inoubliables. Hein. Oui, ça, c'est une cellule qui a été testée et retestée par un certain Bruno Solo, que nous appellerons Raoul P, hein, pour préserver son anonymat et sa réputation. Oui, il ne faudrait pas que sa famille prenne mal non plus tout ce que cet homme a fait. Moi, j'ai d'ailleurs un gros souvenir. Hein, c'est vrai voir, ben, attends, Raoul P, prépare-toi. C'est parti. Thank you.
qu'il soit précis quand il verse l'eau, il ne faut pas qu'il perde de l'eau. Sinon, il ne pourra plus. Je vais jamais mettre un seau dans le verre. C'est bien. Non, mais en fait, je vois pourquoi les gens, quand on les croise dans la rue, après, ils me disent « Alana Fourboyard, je me souviens, c'était un grand moment. » Mais pas que les sauts, parce que toutes les images qu'on a vues depuis le début de cette émission, en fait, à chaque fois, c'est des fous rires, quand même. Hein. Beaucoup de fous rires. Tu es présentatrice, tu as un sens du retour, tu rebondis sur les trucs. Non, parce que je vois les gens... C'est la sortie de sujet, qui est toujours compliqué à gérer, en fait. Le chapeau et le pied. Tu as envie de faire cette cellule. Vas-y, allez. Bonne chance, Patrice. Merci. Allez. Je peux rester avec vous deux, à moins que tu aies envie de faire une cellule sur le chemin. Il y a quelqu'un? Oh! Il y a des migales. Enfin, je les ai toutes les deux pour moi. C'est ça. Et on va où là maintenant? Oui, enfin, passe partout. Mais tiens, amène-nous. Et ben, vas-y, passe partout. Allez, on y va. Allez, c'est parti. Encore trois clés. Vous me laissez comme un saut là, attendez, vous êtes marrant. Non, je voulais justement parler d'un truc. Ça marche. Hyper important dans l'émission. Mais le cri de guerre. Oh là, je veux pas entendre ça. T'aurais pas un top 20 des cris de guerre, meilleur classement des cris de guerre, des pires et des meilleurs? Parce qu'il y en a des pires. Il y a des choses indispensables quand même quand on fait un cri de guerre. D'abord l'originalité. La coordination. Tu dis que t'as un cri de guerre pour nous, c'est ça? Non, pas encore, c'est vous qui allez m'en faire un. Il y a la chorégraphie. Important. Et alors surtout l'absurdité. On part ailleurs. Allez, Patrice, on court. Donc, pour résumer, voici le top 20 des meilleurs cris de guerre. Ou des pires, c'est selon. On est les plus forts pour prendre les pièces d'or. On va résoudre l'énigme pour la sensation. Et pour finir la rime, merci Patrice Avon. Et pour nous mettre à l'aise, Sandrine Dominguez. C'est parti, donc, allez. C'est pas pour les morales, c'est pas pour les morales, c'est bon pour nous, c'est bon pour nous. Quel fidèle qui dit, tabou des mers, let's go. Pas de prison, pas de fer, pour reporter sans frontières. Quand même qu'il y a un message, hein, évidemment. Ouais. J'ai bien compris. Et que, voilà, la symbolique est forte. C'est pas la peine d'en rajouter. Et nous retrouvons maintenant les trois premiers du top 20, avec en troisième position le cri de guerre de l'équipe de Indra. Attention, c'est très... Bip, hop. Yo. De 7 à 97 ans. Tous les mecs et les meufs dans le fond bon regard. Par ici, les meilleurs, on est plein de soi. De 7 à 97 ans. Yeah! Yo maman, t'as chauffé na? Yo maman, t'as chauffé na? Fort Boyer, tu as mis fina? Fort Boyer, tu as mis fina? Yes! Yes! Coucou! Bon, au moins, on a la preuve d'une chose, c'est que le ridicule ne tue pas. Oui, parce que Cocorico, je te vois pas le faire du tout. Pas vraiment. Non, tu vas pas essayer. Ah, alors là, les on amis est dans un lieu stratégique du fort, ouais. À savoir la cuisine. Alors, Dominique, François, qui sont là, qui nous préparent des petits plats comme personne. Tous les jours. Ah, le matin, on vient prendre le petit déjeuner. Le midi, on déjeune, c'est logique. Le soir, on dîne. Et donc, dans cette pièce-là, il y a plus de 120 personnes qui viennent
Bah manger quotidiennement. Alors il y a une autre pièce. Et on a deux fées quand même. C'est une et Nathalie qui s'occupent de nous aussi, hein, qui sont là aux petits soins pour nous servir et tout. Enfin voilà quoi. On est chouchoutés. On est très chouchoutés. Moi ce que je voudrais montrer quand même, très important, dis-moi. C'est le fameux gâteau au chocolat qui est fait maison. C'est vrai. Et qui a tombé par terre. Si tu veux, on partage. Merci. On regarde quoi maintenant? On va regarder la deuxième partie du making of. Très bien. C'est bon? Allez, je suis prêt. En moyenne par jour? En moyenne, 40 plus 120, 110, 120 le midi, 160 pour rire. Ce que j'ai, il y aura de quoi nourrir les personnes pendant 3 jours sans soif. Il y a de quoi cuire, il y a de quoi refroidir. Alors ce soir, c'est une salade de tomates pour fondue de poireaux. Il y a une salade de foie de volaille au crouton. Pommes cendrillon, c'est pommes cuites au four avec un peu de lardon, de la crème, des échalotes. On n'a pas l'occasion de faire la cuisine en pleine mer sur un rocher. Hein. On va pas se plaindre, au contraire, hein, c'est super. Allez, vas-y Clément. Oh, c'est chaud. T'as décidé, maintenant tu vas jusqu'au bout. Allez Clément, t'es prêt. On t'a pris au mot. Ah, mais il m'a niqué le pied. On contrôle en fait le caractère plus ou moins agressif ou belliqueux sur le moment de chaque animal. C'est assez instinctif pour moi. Mais certaines espèces sont plus ou moins promptes à mordre et à avoir des réactions vives. Donc en fonction de ce que l'on veut avoir comme résultat, on va les sélectionner ou non. Un animal qui est en mue, donc l'animal va être beaucoup plus agressif que ce qu'il peut être en temps normal. Le fait qu'il ait les yeux relativement foncés font qu'il ne voit plus grand chose, donc il va avoir tendance à avoir des réactions agressives qu'il n'aurait pas en temps normal. Donc un serpent tel que celui-là, on va le laisser tranquille pour éviter un risque de morsure inutile. Chloé, mon gars, va juste mettre les pieds par terre. Je peux pas. Les morsures d'un serpent comme celui-là sont extrêmement bénignes. Donc c'est une petite égratignure qui disparaît en quelques minutes. Avec le temps, on apprend à décoder le comportement de chaque espèce et on évite les morsures assez facilement. Bonjour, je suis le médecin du fort. Venez visiter mon infirmerie. Voilà mon acte. Nous avons du matériel de réanimation, un défibrillateur, du matériel plus lourd, des produits s'il y a des gros malaises. Allez, Anissaï, tout dans la tête. Ça fait le futur. Oh, mes bras. Perds pas l'équilibre. Je suis en liaison directe avec la régie. Je suis également en liaison directe avec le SAMU. S'il y a besoin d'évacuer un gros blessé, un hélicoptère peut se poser pour évacuer un gros blessé. Allez, on y va, s'il vous plaît, on se met en place. Là-bas, pour l'instant. Hop, allez. Êtes-vous prêts tous les deux? C'est parti. Le fort en animaux, ça représente plus de 150 serpents. À peu près 200 scorpions. Des anguilles, des crabes, une centaine de grenouilles. Ça, c'est un scolopendre. Et tu l'as retiré les crocs? Il y a une protection amovible. Mais c'est nécessaire d'avoir une protection parce que ça attaque sévère. Je travaille 4 à 5 heures par jour pour subvenir à leurs besoins, pour qu'ils puissent être bien. Yanis, bonne chance à toi. Jouez. Oui, vas-y. Attrape-le. Attrape-le complètement. Il faut le prendre à pleine main. Allez, vas-y. On les rince un petit peu au préalable pour éviter que les mucus des différentes espèces les asphyxient entre elles. Pour leur confort. Être animalier avec des reptiles et des amphibiens, c'est juste savoir décoder le comportement. En aucun cas, on ne leur apprend quoi que ce soit. Ce sont des animaux qui sont assez primitifs. Mais lorsque l'on sait comment les animaux fonctionnent, comment ils se déplacent, comment ils vont réagir, on arrive à faire en sorte d'obtenir le résultat que l'on souhaite. Voilà, bien Yanis. Bien. Vas-y Yanis, il y en a une question. Si on veut avoir le résultat d'un crapaud qui chante, on peut sélectionner tout simplement un mâle, le taquiner un petit peu. La réaction s'arrête dès qu'on le repose. Et recommence dès qu'on le soulève.
sont des grenouilles qui ont la particularité d'être extrêmement visqueuses et glissantes. Donc la difficulté, c'est de les saisir correctement. Pour moi comme pour les candidats d'ailleurs. Allez, tu prends ton courage à demain. Allez, 1, 2, 3, vas-y, Yannis. Allez, montez là-bas. Oui, elles comprennent pas trop le français, hein, je crois. Alors, on continue notre visite. Oui. Maintenant, vous le savez, hein, le fort, il a été terminé en 1862, mais cette salle, en revanche, n'existe que depuis 1989, et pour cause, ça s'appelle La Régie, et à l'époque, ça n'existait pas. Voilà, c'est ici que convergent toutes les images prises par les caméras. Autant vous dire donc, on a besoin de cet endroit avec le réalisateur, la script, et puis tous ceux qui sont aux équipements. C'est donc ici producteur. Que l'on peut mixer, et puis producteur, bien sûr. C'est ici donc que l'on mixe les images de l'émission. Alors, après l'Arc de Triomphe, après la Tour Eiffel, après le Mont-Saint-Michel, ce qu'on peut dire, c'est que Fort Boyard, c'est certainement le monument ou l'un des monuments les plus connus au monde. Et pour cause, hein, elle a été produite et diffusée dans plus de 65 pays, ce qui est énorme. Ah, c'est vous dire donc le nombre d'images qui sont arrivées jusqu'à cette régie. Tiens, d'ailleurs, en parlant de ça, nous vous proposons de voir maintenant ce qu'il en est de ces émissions étrangères en version originale. Et originale, c'est le mot, vous allez voir. Mouche ? Welcome to Fort Boyard. I'm Jodie Pemford and I brought with me the Wormwood Scrub. Are you ready for a riot? Yes! Monsieur Le Beau, le go! Well done, off you go! Go, 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 이 키는 전할 거야! 와! Compañeros, como capitán del equipo, gritad conmigo! No hay dolor, no hay fatiga, Fort Boyard nuestro! Gogorito, ¿cuántas veces te tengo que decir que no me traigas a tus amigas a merendar? Shalom, Shana Tova, Hag Samea. Keisar, o el Himmel Lamut, me verjim otra. Je pense que j'ai bien fait de mettre un peu de pression. Ah, oui. Trois clés avec deux épreuves à faire, ça vous en fait cinq. Alors Jean-Marc, comment c'était en prison? Est-ce que la boule t'a bien traité? C'était horrible. C'était une expérience horrible. Paolo, benvenuto dal padre Furas. Che panorama, che panorama. Shukran. Ti ferni gluti ferni ti si mi privedol mis dalš mis lakatošovu pan furažeca mi potpišete na ruku prosim vas prosim vas ruke bidle na vašom na brušku no tak hovorim jasne alkohol vieš že vas opiču popice bolo to okno se pavo to muksa ti ga na mi buksa ja rozbro ja kommer att säga tre påståenden som alla har så att säga samma comienza la etapa de las aventuras hay que conseguir pistas cuidado cuidado este dado dado sí bien muchas gracias Alfa. Det må være spændende, eller hvordan? Præcis, og mødte en masse spændende. Og være ude og lave den, og den, og den. Hør så godt efter, så skal du få Какой мой baby. Думай, думай. Солнце, звезды, что ты не можешь видеть? Солнце, звезды. Твое время вышло. Это резко. Дорога к дому. Все, да. Все, блин, на дому. Жилище это дом. Моя дорога. Давай, шой на лоб. Ай-яй-яй-яй-яй. Бон шатус. Прега вам. На миас. Сонан. Hallo, Eiweißfett, Triatra. Oh. Ich weiß es nicht. Muss ich schon für einen Mach entscheiden. Marinsten Ranzel. Ich werke bis. Tot volgende week. Tot volgende week. Dag. Dag. Oh, mes chers cousins. Ils ont tous un air de famille, mais ça ne vaut pas l'original. Vous êtes mignons, hein, voilà. C'est de famille. Ah, ouais, les enfants, c'est la famille. Tu as eu la raison, Sarah, parce que dans la grande famille Fort Boyard, finalement, il y a les candidats très importants, les animateurs qui existent aussi. Puis il y a les personnages aussi qu'on connaît énormément, peut-être comme ça sous leur vrai prénom, mais il y a André, Alain qui sont en vérité passe-partout et passe-temps. Bonjour, messieurs. Bonjour. Ah, ben voilà, ben, premier scoop, il parle. Voilà. Toi, la boule, tu parles? Non. D'accord. Dans les personnages du fort, vous avez oublié
Vous avez oublié le père. Ah, foi. Ah, oui, quand même. Oh, bien, tout de même. Merci, ma petite Sandrine. Bonsoir à tous et bien, je suis ému, je n'avais rien à préparer, mais puisque l'occasion m'en est donnée, je tiens à préciser que tout ne s'est pas fait du jour au lendemain. Oui, c'est une longue histoire. Oui, mais merci. Enfin, attendez, on n'a pas vraiment le temps là, on vous reverra tout à l'heure si vous voulez bien. Donc est-ce que finalement ça vous a apporté à l'un à l'autre une notoriété importante, je veux dire, on vous appelle comment? Passepartout, passe-temps Passepartout. C'est vrai, même dans la vie? Dans la vie, oui. Quand tu travailles, salut Passepartout. Ça va, tout se passe bien. Est-ce que c'était des clés ou pas? Oui, les clés de ma voiture. Est-ce que ça a changé votre vie à tous les deux? Ah, beaucoup, ouais. Ouais. Vous avez un peu grandi là tout d'un coup. Tout à fait. Mais les gens ont grandi aussi dans leur tête. Ah, ils ont grandi dans leur tête. Les gens ont grandi aussi dans leur tête. Est-ce que finalement ça a permis aux gens de voir les hommes de petite taille d'une façon différente? Tout à fait. C'est vrai? Je pense que c'est un bon exemple à la société en général, quoi. Et puis ils chantent du Johnny Hallyday aussi. Ah, ça. Et puis j'ai mes chansons aussi. Tu chantes aussi? Et puis de notoriété internationale. Parce que c'est pas juste tout connu en France. Ouais. C'est-à-dire qu'il est beaucoup plus connu que Gérard Depardieu. Alain André, c'est international, oui, c'est vrai. C'est vrai que, contrairement à Alain, qui lui, sur certaines internationales, n'est pas présent, depuis donc le tout début de Fort Boyard, eh bien, Dédé, comme on l'appelle ici familièrement, est, j'allais dire, le doyen de l'émission. Il n'a pas échappé à une seule des émissions qui ont été tournées sur les feux. Ouais. C'est un doyen très encore sympa. Bien vert. Ça a commencé à ma naissance, oui. C'était un lundi matin, pour préciser, à peu près vers 9h12, donc... On va revenir, Perfora, à vous, il est terrible, il est toujours pareil, c'est moi. Il est jaloux, moi. Le plus simple, finalement, pour tout savoir sur Passepartout, c'est de regarder ce sujet qui lui est entièrement consacré. Ce que j'aime dans la vie, c'est le blues, le rock à vitesse, la musique. Du cœur des copains qui rapide le ronflement d'un moteur. Allez, lance le tempo, c'est parti pour le rock. 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 Arrêtez le café d'art rallongé, je me suis éclaté. Et là sur les circuits, ma famille s'inquiétait, mes copains se marraient. Mais quand je rentrais chez moi, c'est retour que j'étais. C'est parti pour le rock. 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 Et on le retourne, on réclame le clip, hein, mes enfants. Dédé, t'as certainement énormément de qualités. T'as peut-être fait 1000 émissions, mais il y a une chose que t'as jamais fait, c'est que tu n'as jamais été candidat. C'est vrai? Non, jamais. T'aimerais l'être? Ah, là non plus, hein? Jamais. T'aurais aimé? Pourquoi aimé pas, ouais. Plus. Ouais, bien sûr. Non plus, faire la il faudrait qu'un jour. Ah, j'aimerais bien le faire. Non, mais il y en a deux qui se. Alors là, vraiment, se sont donnés, puisque j'étais là, comme animatrice, Sarah, et qui ont été des bons candidats, c'est Olivier et Patrice. J'ai vu à la télé, moi. Des souvenirs mémorables, petite, là, quand même. J'étais petite, oui, mais je regardais. Mais c'est vrai que c'était des bons souvenirs. Qu'est-ce que t'as fait, toi, déjà? Moi, ils m'ont fait à peu près tout. J'ai fait la catapulte, quand même, où tu montes à 25 mètres de haut en 3 secondes. C'est ça. Le tigre aussi, où il y avait une cage en métal où les tigres allaient dessus. Ils n'ont pas fait pipi dessus, non? Moi, non. Ils ont grimpé sur la cage, il me semble, quand même. Oui, il y en a un qui a grimpé sur la cage. Et toi, ils t'ont fait? Non, alors moi, j'aimerais demander depuis très longtemps à la chaîne, entre autres, des dommages à intérêt, car j'ai avalé une mouche dans la tête chercheuse. De 3 kilos, à peu près, je crois. Qui a trouvé mon corps sympathique et qui, depuis, est resté de temps en temps, me réveille la nuit. Donc, si vous vouliez, j'en ai assez de cette mouche, vous pouvez faire quelque chose. Et Sophie aussi a été candidate, Sophie qu'on a perdue. Elle a été super. Mais où est Sophie? Je sais pas. Mais où est Sophie? Sophie! 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 Vous êtes où? M'entendez? Bon, quoi qu'il en soit, elle a été candidate aussi. Super, avec nous deux, on n'a pas été candidate. Moi, j'adorerais.
Toi, tu peux l'être maintenant. Eh oui. Je crois pas parce que moi, je sais très bien ce qu'il nous réserverait. Mais moi, j'ai envie. J'ai très envie. Je sais très bien que je n'aime pas les serpents. Vous allez me coller dans les serpents. Ah non, 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 n'est pas vicieux à ce point. Non, non, je l'ai. J'ai le truc là, le spandau. Oui, mais là, tu nous donnes de quoi manger. Tu es en train de nous dire, j'ai peur de ça. Ah, la boule propose dans la boue, te concernant. Oh, la boule avec toi, j'irai partout, y compris dans la boue. La boule. Fais-moi la mouette, la boule. Oh, la vache, les boucs. On l'a vu. On l'a vu, avant. Je suis désolé. J'en peux pas, j'ai avalé une mouche en plus. J'en peux plus, jusqu'à maintenant. Mais sans blague, elle était merveilleuse. Oh non, c'est dégueulasse. Il y en a partout. Non, c'est pas possible. Oh. Te dégonfle pas. Arrête, il y en a partout. C'est des fausses. Ça va pas mal. Allez, Sophie. Pénètre dans cette cage, Olivier, s'il te plaît. Prêt, mon petit Olivier ? Recoiffe-toi, oui, parce qu'ils aiment bien les gens bien coiffés. Sois gentil, tu peux refaire ton brushing un petit peu. Ah non, si tu veux, je fais Chita. Vas-y, tu pousses le cri, je fais... Et toi, tu fais... Il faut que tu retournes les serpents qui sont dans la trappe et que tu regardes, tu fais ça comme s'il retournait un bébé pour le langer. Donc c'est pas incroyable. Je sais pas comment vous faites. Je suis bloqué. Fais bouger la cage. Fais bouger la cage. Voilà. J'ai toujours aimé les animaux. Olivier, quel est ton dernier mot? Je vous aimais. C'est de l'eau! Ici, c'est magique, on va pouvoir parler des sauts. Oui, c'est de la console générale. Oui, non, mais pas, moi pas, non, parce que moi je suis pas équipé de toute façon. Bah, Antoine, approche-toi s'il te plaît. Antoine qui s'occupe sur le fort de la sécurité de tous les candidats quand il s'agit de sauter, que ce soit en l'air ou de travers. Non, je fais pas. Attendez, je suis pas habillé. Rappelle pour. Rappelle-toi de ce que tu disais au candidat, mais non, si tu peux le faire. Non, mais d'accord, c'est toi qui disais ça. Je ne suis pas habillé pour, comme vous pouvez le voir. En plus, ma voiture est garée en double fil. J'ai pas fait mon testament, comme ça, il n'en est pas question. Non, franchement, non, ça, il n'en est pas question. Ah, c'est sûr que pour se lancer dans ce genre d'épreuve, il faut du courage et de très bonnes cordes vocales. Oh. Attends, faut que je saute là-dedans? C'est pas vrai, quoi. Je suis paralysé. Non, je te promets, j'ai le vertige. C'est impossible. Mais tout le monde y va, là, dans ces émissions? Je vous assure que Bruno Solo va sauter. Oh, il a l'âge. Oh là là. Qu'est-ce qui va arriver exactement? Bah, il va arriver que tu vas te retrouver dans le vide. Et tu me confirmes bien que je suis pris en plan serré, comme ça, et qu'après, il y a un cascadeur qui vient pour le relais. Non, pas du tout. Non, arrêtez, je peux pas. J'ai envie de pleurer. Je suis très très mal à l'attente. Patrick. Aïe aïe aïe. Ah. Ça pourrait aller mieux. J'ai la trouille. Si tu pouvais te jeter très vite, parce que ce qui te passe en ce moment la pluie c'est très mauvais pour mon brushing. Donc... Non, je te promets, je peux pas, j'ai le vertige. Je vais mourir. Si ma mère me voyait, j'espère qu'elle me voit pas. Eh, c'est chaud quand même, hein. C'est hoche. Ça risque rien, tout est ok. Mais quand je suis en bas, que j'arrive en bas, comment? Il n'y a pas de choc? Hein? Que j'ai envie de pleurer, c'est con, hein. Mais si tu peux. Non, tu piques une bonne tête. Respire et t'y vas. Allez. Viens, bah, viens de toi. Non, je peux pas. C'est où, hein? On mettra de la sciure. Je suis pas bien, les mecs. Je suis vraiment pas bien. Vas-y. Et en l'air, tout ça, t'as pas des sensations comment, tiens? Ça va, le cœur, tout ça, ça va?
Dépêche-toi, Raphaël, on craque. Gabi, t'es minuscule en bas. T'es minuscule. Quoi, je fais pas le pierre? Non, non, ça va, non, mais il veut pas que je parle, c'est pour ça. En vrai, je suis bien, je suis détendu. Je suis détendu. Mais je vois pas le cascadeur, c'est ça qui m'énerve un peu. Il y a la boue ou quoi? Ah, on ne me lâche pas. Vous êtes sûr que ça, ça tient bon là? Ouais. Vous êtes sûr qu'il ne peut rien m'arriver? Hein rien. Non, il ne peut rien t'arriver, Laurine. Rien. J'y arrive pas. C'est du beurre, je te jure. C'est du beurre. C'est horrible. Plus jamais de ma vie, je fais ça de ma vie. D'accord. Faut pas que je ferme les yeux. Non, j'irai pas. J'y arrive pas, je vous jure, je peux pas. Excusez-moi, mais... J'y arrive pas. Mousse, c'est affreux, j'étouffe. Je n'y arrive pas, je m'en sais pas du tout. Ça. Et si je le fais pas, ça fait quoi, là? C'est solide, hein. Vers où là, un mètre avant? Ouais. Hein? Ah! Non, non, arrête, finis par la suite, lâche-moi. Laisse-moi tranquille. J'ai peur que mes gosses vont écrouler derrière là. Tu savais que ton père m'a crevé là, c'est pas marrant. Quoi, t'es chien à trois ou quoi? Allez, allez! C'est pas comme ça! Deux, trois! Allez, hop! Allez, go! J'ai eu la trouille de ma vie. Tu as été génial. C'est extasiant. Extasié. On sait jamais avec elle si elle le fait. Nina! Nina! Alors? Nina! En attendant que bon, Nina... Je la ranime. Je vais faire un petit bouche à bouche. Vous allez voir, elle s'est réveillée toute suite. J'en étais sûr. Elle s'est réveillée toute de suite. Après la peur du vide, il y a la peur aussi. Il y a les vraies phobies devant les animaux. Les araignées, les serpents... Oui, t'es, Sandrine, toi t'es terrorisée, j'ai rien qu'à l'idée. Hein. C'est incroyable. Ça t'est jamais arrivé. Ça a été vraiment mon enfer. À chaque séquence, j'ai eu la trouille. À chaque séquence, j'ai fait des bombes. Et alors, est-ce que ça t'est déjà arrivé au moment des serpents, qu'un serpent sorte et vienne sur toi et sur ta jambe et sur tes chaussures? Parce que moi, ça m'est arrivé. Faut se contrôler dans ces cas-là. J'ai cru que j'allais me soigner. Non, mais sincèrement, pour tous ceux qui regardent l'émission et qui ont une phobie pour les serpents. C'est impossible, quoi. J'ai pas trop peur, ça va. Bon, on va parler de la théorie. Moi, je me souviens, la tête chercheuse... Non, je sais pas, c'était pas... Non, à part le fait d'avaler la mouche, mais non, le reste, non, ça va. C'était zen. C'est vrai, j'ai avalé tellement de couleuvres dans ma vie qu'une mouche en plus, je veux dire, ça m'a pas... Hein, elle est bonne, hein. Très bien. Je propose qu'on arrête de parler de la théorie, qu'on aille plutôt dans la pratique. Bernardo, s'il te plaît. Voilà, il va nous apporter... Voilà, c'est le cadeau pour Sandrine, ça. Deux, trois petits cadeaux. Viens, viens. Je me sens d'aller là-dessus. Allez. Non, si, attention. Si, ouvre-lui. Attends, j'ai l'ouvrir, c'est pas sympa. Si, ouvre-lui. Non, mais c'est pas sympa. Si, ouvre-lui. Tiens-la bien. Attends, c'est un cadeau. Regarde. Allez, sors là. Voilà. Regarde. Regarde, c'est un saucisson. On voulait manger un petit truc avec toi, c'est tout. Ah non, vous êtes pas sympa. Quoi? Mais non. Non, tu n'es pas un boudin, c'était simplement un saucisson. Alors... C'est vrai qu'on en mangerait, la Sandrine. Oh, on en mangerait. Ah non, mais j'en veux même. Même ça, non. Non, il y a un vrai problème, semble-t-il. Ça, c'est sympa hein, de venir. 15 ans après, il n'y a plus personne. Bon, mais je vous propose en fait de voir maintenant en image Aquarim, ses peurs concernant les animaux. Comme dirait Patrice, il y a de l'image, il y a du son, il y a de la couleur. Jeanne, allez. Jeanne, viens. Jeanne, pour eux, pour l'équipe. Mais je veux pas. Pour l'équipe. Jeanne, pour l'équipe. Non, je veux pas. Pour l'équipe, Jeanne. Allons-y, Bruno, allez-y pour la 10. Allons-y pour la 10, Bruno. Bruno, pour la 10, allez-y. J'enlève l'échelle. Allez-y pour la 10, Bruno. Allez-y, j'enlève l'échelle. Bruno, allez-y.
des serpents. Qu'un serpent? Les choses qui rampent dedans, ce sont des serpents, dit. Et en dessous, il y a en dessous, des indices. En dessous des serpents, voilà. Oh mon Dieu! Oh shit! Voilà, quand t'avances, il recule. Pardon, excusez-moi. Quand t'avances, il recule. Non, moi, je ne fais pas! Vas-y, vas-y, t'es. Wouah! Aïe, 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 aïe! Mais vas-y! Mais il faut rien! C'est je peux pas, on perd du temps, je peux pas. Non, mais même pas en rêve! Robert, je veux descendre avec elle, mais tu touches pas les serpents. Non! Non! Non, non, descends pas! Je vais bien avec toi. Non. Ah, il est tombé par terre. Il bouge pas. Mais ramasse-lui pour pas lui marcher dessus quand même. Je vais lui faire mal. Non, je ne marcherai pas dessus, c'est sûr. Je me concentre. Et là, qu'est-ce que je fais? Quand je pense que... Ah, il est un tout petit en dessous. Oh non. Ah, arrête de me dire ça, il y a des tout petits. Vas-y. Mais moi, c'est des petits qui me font peur parce qu'ils ont des petites langues. Oh, il y a un gros là, voilà. Mais c'est con comme jeu! Dépêche-toi! Prends le mot qui est sur son ventre! Ah! Oh non! Que ça te fait? Écoutez-moi, juste un petit conseil. C'est horrible! Un seul parle, c'est toi, Satya, d'accord? Parce que sinon, elle n'entendra pas. C'est celle-là, faut que tu la prennes avec trois doigts. Prends-la avec trois doigts. J'ouvre le panier. Je les prends par la queue. La queue, c'est ça. Je les prends par la queue. Je reviens la queue à l'envers. Connard. Alors attrape-le. C'est notre salon. Ouvre le coffre. C'est ignoble. À mon avis, le coach est fini, il est mort de rire. Elle a crié. À bouge, la maudite. Pas de vie. Sont où ses dents? Sont en bas ou en haut? À mon avis, c'est les araignées qui doivent avoir la trouille. En face de toi. Parfait. Alors, est-ce qu'il y a une petite chose Aude, en pleine main. C'est dégueulasse. C'est vraiment écœurant, hein? C'est top trépillant. Doucement. Va-t'en pas un papier. Ouais. C'est parce que je tremble, elle a peur. Arrête de bouger. Ok, arrête, Lou. Arrête, ok? On est chum. Arrête. Je t'aime. Oh, excuse-moi. Ok. Oui. Viens voir derrière. Oh là là, super. Comment elle les aide? Je peut-être, mais je m'en fous. Aide! A-I-D-E! Voulez tout savoir sur le mécanisme de la peur chez l'être humain, moi ce que je vous propose plutôt qu'un long discours, ce sont des belles images, des images comme on les aime quand on est accroché devant son écran et on se dit « Oh, j'aimerais pas être à sa place ».
Hein c'est on se dit souvent, nous, d'ailleurs. Nous, tout le temps. Vous allez voir. Rappelez-vous, c'était l'été dernier. Voici maintenant le petit voyage auquel nous te convient. C'est une horreur. Bon, il va falloir y aller. Est-ce que tu es prêt? Ok, on y va. Bonne chance. Bruno, on est avec toi. On est là, hein. Vas-y, hein. Prends la corde dans ta bouche et tire dessus. Alors là, c'est terrible parce qu'il va... Oh là là. Allez, vas-y, Bruno. Allez, on l'encourage. Vas-y, hein. Il faut qu'il tire dans la corde. Bouche. Prends la corde dans ta bouche et tire dessus. Allez, vas-y, Bruno, vas-y. Qu'il y aille. Vas-y. Allez, Bruno, ouais. Vas-y, ouais, génial. 679. Combien? 600. Vas-y, répète. Répète. 679. Tu vas tout droit pour l'instant. À ta droite, tu vois une petite corde. Voilà. Ouvre-la. Ouvre cette trappe. Alors, c'est très impressionnant. Alors, c'est vrai que c'est impressionnant. Détends-toi, David. Prends sur toi. Vas-y. Attends, il y en a un qui ouvre la bouche là. Non, ils vont pas te faire de mal. Vas-y. Allez, prends le pinceau de papier, vite. Allez, d'un coup. Voilà, c'est génial, David. Il n'y a pas de papier, je vous jure. Là. Ah si, 47. Est-ce que tu vois maintenant? Attendez, est-ce que tu vois le tonneau? Est-ce que tu viens? Allez, vite, on va y arriver. C'est dans le tonneau si ça se trouve. Tu vois quelque chose ou pas? 47, 15. Wouah! Content? Ouais. Tu te rends compte de ce que tu viens de faire? T'as vu dans quel état t'étais avant? On est tous fiers de toi. Pour comment ça n'a pas été filmé, ça, merde. Bien, alors, 2 minutes 25. Qu'est-ce que ça me fait plaisir. Oh, vraiment, que je vous embrasse. Oh, vous n'avez pris que 2 rides. Oui, et eh ben écoutez, vous n'avez même pas pris. J'ai même l'impression que vous en avez moins. Bah, oui. Oh, vous êtes encore mieux que ce que j'imaginais. Comme disait mon arrière-grand-père, je me regarde, je me désole, je me compare, je me console. Vous changez vous... pas. Hein. Oh, ben, et vous non plus. Alors vraiment, quel plaisir. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Ça, c'est la collection d'autographes des nombreuses personnalités. Ah, c'est vrai que vous en avez rencontré, hein, des célébrités. Oh, je suis pas dedans, hein. Non, j'ai pas dedans. Non. Écoutez, c'est l'objet d'une. John Fitzgerald Kennedy. Mais c'est l'objet d'une brouille avec mon petit Olivier, ça. Oui, il voulait absolument votre photo, j'ai fini par lui donner. Alors. Bon, non, mais là, d'accord, mais là, pourquoi Fitzgerald Kennedy, là? Non, c'est pour épater les candidates, ça. À mon âge, le physique opère toujours, bien entendu, n'est-ce pas? Mais. Ça ne suffit plus. Hein. Il faut dire que c'est vrai qu'avec depuis 15 ans, vous avez torturé des candidats avec vos énigmes, vous. Je l'admets. Hein, mais... D'ailleurs, vous voulez bien un petit récap? C'est ce que c'est, un récap? Le récap, c'est là. Ah, voilà. On fait un petit récap. Oh, mais j'ai envie de vous regarder, moi. Enfin, nous voilà réunis. Vêtus ou dénudés, si certaines sont vénérées, d'autres encore ont fait entrer bien des hommes dans la postérité.
Rennes. Carabas. Le hasard. Bouffon. Ma passion. La demoiselle. Ton slip. Je peux vous toucher? Ouais, j'ai touché le parcours. Hein. Donc ça nouille. Jouer en fait, mignon. Espoir de chagrin. Fleur. La vie, pourquoi pas. Premier indice. Attends, moi j'ai les neurones plein d'escaliers là. Vous voulez pas revenir demain? Mais si vous voulez, y a pas de problème. C'est peut-être l'émotion de me voir aussi. Oui, oui, ça va. Je sais pas, non. Je répète, moi je veux bien. Trop tard? Mais oui. Attends, j'ai pas le temps là de... Ah bah si, normalement, il faut... Oh là, réveillez-vous. Proposez-moi des mots. Mais je suis prêt à négocier, gars. Allez, non, on recommence. Non, les gens. Allez. Descendez. Julie, descendez, je me vous regarde. Je reviendrai. Donne la solution, ouais. On sera prêt d'arriver. Fouillez-moi si vous le voulez. Non, je vois pas. Tu n'es pas là, tu crois, ne le sais même pas. Yes. Enfin, père Fourat, vous pouvez pas vivre dans votre pétodière, moi je vais vous arranger ça avec passe-temps, hein, un petit peu cosy. Où elle est, madame Fourat, d'ailleurs? D'ailleurs, bilingue. C'est trop tard, je suis désolé. Déjà? Ben oui, j'ai perdu. Eh oui. Ça? Gagné. Bravo, Louis. Je suis gagné, père Fourat. Bravo, je vais m'expliquer. Ça commence bien. Merci, père Fourat. Ah oui, mais c'est... Merci pour le cadeau. Mes respects, vieil homme. Bravo, jeune homme, bravo. Alors, après les cellules, après les aventures, oui. Après les énigmes, oui. Il y a l'ouverture de la salle du trésor pour la fameuse, la cultissime chasse au boyard. Oui. Avant de voir cet instant de vérité, nous vous proposons eh bien, de nous plonger à nouveau dans le troisième volet des secrets du fort avec notre making-of. Les mouettes sont dressées, alors ce qu'il faut savoir c'est qu'on a mis quand même 8 ans à dresser les goélands. Là, vous avez la famille Rossignol, ce qu'on appelle la famille Rossignol. Donc on essaie de préserver au maximum le site avec le goéland, sachant qu'ils sont très sensibles au mouvement des gens, au bruit des bateaux, aux illicots. Donc voilà, on essaie de faire un fort boyard assez écologique, assez bio. Il y a seulement que trois. Il y a une femelle et deux jeunes mâles. Et on a une tigresse en plus, que dans le cas où ça peut arriver, que l'un des tigres soit malade, il y a toujours trois tigres pour l'émission. Oh, voilà. C'est bon, t'es prêt? Allez. Ça mange du poulet, du canard, du cochon, pas trop de porc parce que c'est un peu trop gras, de la viande rouge, du bœuf, du sanglier, tout ce que vous voulez, mais pas de légumes. Allez, venez! Allez, qui est le plus rapide? Donc, à gauche. Hop, oui. Comme j'ai Shogun. Hop, Shogun. Et pourtant, dans la cour, il adore bas avec moi, mais là, il mange, c'est à lui. Si jamais je m'approche, là, c'est fini pour moi. Il ne connaît personne. Si les gens qui sont ici, l'équipe, ne font pas attention, vraiment, si moi je n'ai pas l'œil, un cadreur ou un assistant peut se faire attraper. Ils sont vraiment dangereux. Ici, ils marchent tranquillement et les gens pensent qu'ils sont des chats, mais ce ne sont pas des chats. Hein, Shogun, tu connais personne? Depuis 17 ans que je travaille avec les fauves, c'est-à-dire avec des lions, des tigres, des panthères, des hyènes. C'est un petit rêve d'enfance, quand j'étais petite fille, donc je me suis dit, oh, pourquoi pas, l'Afrique, et voilà. C'est une série comme ça. Mais c'est vraiment le hasard total. S'ils dépensent le temps, on fait cramer. S'ils font dans le temps, c'est bon pour eux, quoi. Vite, on perd plus une seconde, parce que si ça explose devant nos yeux, là, on va être très énervé. On a préparé nos indices aventures, qu'on a la feuille du matin, là. Ça a changé déjà par rapport à hier soir, mais c'est normal. C'est des grandes feuilles qui sont stockées dans de l'eau, pour la sécurité. Moi, je les fais sécher. Et une fois qu'ils sont secs, bien secs, ça part à la moindre étincelle. Alors, évidemment, quand il est confiné, il part d'un seul coup, hein. Un tas de poudre à l'air, ça fait ça, et confiné, c'est d'un seul coup, et il reste plus rien du tout. Vous voyez bien évident que s'il brûle un bout de papier dans un tube, bah tu vas rien voir, surtout au soleil.
Alors on met une poudre dedans pour faire un visuel. D'où les trous là. Les trous servent à deux fonctions. La première, c'est à faire sortir la fumée. Et la deuxième, c'est à éviter que le tube il explose, puisqu'on va monter en pression. Alors évidemment, ça c'est électrique. Hein. Et quand j'enfile le papier dedans, pendant le support, l'allumeur plonge. Ce qui fait dès qu'on envoie une impulsion électrique, l'étincelle se fait à l'intérieur du papier, ça brûle instantanément. Ça c'est la cellule électrique, c'est-à-dire le fusible. Papier aluminium, peinture noire pour pas qu'on les voit, comme ça dans le décor ça se voit pas. Bon, bah, on est prêt pour la destruction. Ça c'est une radio hélicoptère, tu vois. Ça, ça nous permet de détruire à distance, quand on peut pas passer un fil ou le faire directement. Et ben tu mets un récepteur dans un coffret, il plante. Arrache, vite, arrache. Ouais. Bon, bah, a priori, ils l'ont eu, là. Mais s'il l'avait pas fait dans le temps, moi, j'ai pas de sentiment, hein. J'appuie sur le bouton, moi. Voilà, ben, écoute, on va penser à l'autre, maintenant. Est-ce que tu fais, Manu ? On change l'alphabet étranger, on va mettre un alphabet pour la France. À chaque changement de pays, on change complètement l'alphabet. Donc, en l'occurrence, c'était quel pays ? Là, on va mettre l'alphabet français. Et là, c'était quoi ? Là, c'était la Russie qui était là. Ah bon. Les Russes, ils sont partis, donc là, on met la France. Là. Chacun a des demandes un peu spéciales par rapport au même jeu. Donc, il faut qu'on les adapte un petit peu en fonction de la demande des productions étrangères. Donc c'est une partie de notre rôle, au-delà du travail qu'on a à faire en préparation. Des candidats hier, ils ont été un peu plus violents que d'habitude. Donc vous voyez ici, donc on va réparer deux étanchéités de flotteurs. Donc on essaye de remettre complètement l'étanchéité du haut. Donc là on a un deuxième qu'il va falloir remettre en place. On a des pannes mécaniques sur certains jeux qui sont très sollicités. On peut se retrouver avec des gens qui sont de différentes tailles d'un pays à l'autre, de poids très différents. On va juste voir si tout tourne bien. Julien, je ne sais pas si tu m'as reçu. Est-ce que tu peux allumer celui qui rétrécit ? S'il te plaît, tu payes tant d'un rien. Bon, alors là, il faut tout faire ce matin. Ça, on l'a joué hier soir. Une des dernières cellules qu'on a fait. Donc, vous voyez, voilà, donc tout est en bas. Donc, il va falloir faire un checking complet de moteur, de câble et remettre toutes les clés en place. Alors, nous aussi, il faut qu'on joue des fois parce qu'il faut qu'on retrouve les bonnes clés. Est-ce qu'il a tout enlevé ? Il en reste une ? Ah, voilà. Donc voilà. Et elle est là. Bonsoir, petit prince. C'est trop dur, ça. Je m'occupe des aventures dites à risque, des aventures aériennes. Le saut à Fort Boyard a une chose de particulier, c'est qu'il se trouve dans un endroit un petit peu confiné. La hauteur est environ de 20 mètres, donc c'est un saut assez délicat. Toutes les aventures aériennes, de par le mot aérienne, veulent dire risque de chute. À partir du moment où on peut tomber, il faut prévoir tous les moyens pour rendre cette chute inoffensive. Et c'est vrai que c'est un métier plus que tout autre où on n'a vraiment pas le droit à l'erreur. C'est un métier à risque, cadreur sur le fort. Bon non, t'as vu, t'es sécu, quoi. Pas de problème. Au revoir, Arnaud. Au revoir. Savoir où s'arrête la sécurité, justement. Parce que quelquefois, en voulant être trop sûr, on devient dangereux. C'est toute cette approche-là qui est à mettre en place. Il faut être assez méthodique. C'est un petit peu la clé du succès, on va dire. C'est parti ! Encouragez-la. Sur le fort, il y a 10 caméras. C'est quoi, David ? Tout à l'heure, j'ai la tyrolienne.
sort comme ça, toi, gauche cadre. Quand je vais faire ça, il sort comme gauche cadre. Plus une grue de 12 mètres. On va faire la circule. On réinverse le chariot, on se le remet à la cour, hein, s'il te plaît, et le bras à 11h. Plus une caméra sous-marine. Change. Il a pas l'air de changer, mais les épreuves changent, les aventures changent, les animateurs changent, on retourne de nuit, donc oui, chaque année, il y a des nouveautés. Gros bisous à tous les enfants, surtout à tous ceux qui nous envoient du courrier tout au long de l'année. Super, mais difficile. Il y avait juste l'eau que j'aimais pas. Parce que c'était du salé. Sache que tout ce que t'as fait, c'est vraiment, quand je le dis à la télé, je le pense tellement, c'est tellement vrai. Vous vous rendez pas compte de ce que vous avez fait. Il y a des candidats, des adultes, ils n'arrivent même pas à faire le quart de ce que vous faites. Bravo, vraiment bravo. Est-ce que quelqu'un a un regret? Moi. Quoi par exemple? Les grenouilles. Les grenouilles, tu crois que tu aurais pu faire? Qu'est-ce qui t'a empêché de le faire à ce moment-là? Je ne les ai pas vues. Si tu les avais vus, t'aurais moins peur? Ouais. Tu crois? Au revoir les enfants! Au revoir, au revoir, au revoir, au revoir! Ding dong dong! Sarah, combien de lettres? 6 lettres, Boyard. Olivier. 7 Boyard avec un S. Oh, ça c'est facile. Hein. Attends, mais non, il faut avoir l'idée. Si j'avais pas trouvé Boyard, t'aurais pas trouvé Boyard avec un S. Les mauvaises fois, Mauvaise foi. T'as gagné. Tu l'encourages. Je peux pas le faire, de toute façon, je peux pas le faire. Regarde, je comprends rien avec ces symboles. C'est quoi? C'est pas des français. Là, c'est normal, on a tourné en 20 langues avec 5 alphabets différents. C'est normal. D'ailleurs, voici maintenant des images de pur bonheur qui auraient pu s'appeler. Et pour quelques Boyards de plus, Felindra. Tête de tigre. Felindra, draai aan het hoofd van de tijger. Oké, okay, Dominique, la wapa. Felindra, kaplanın kafasını çevir lütfen. Dominique, tia hoofd. Felindra, voorgaat de tigre is vrij. Felindra, laat ze nemen. Felindra, s'il vous plaît. Déjà fini, c'est passé très vite. Bref, non, déjà. C'est passé très vite. Les 15 ans sont passés très vite et l'émission est passée très vite et on a été ravis de vous avoir. Non, tu croyais que c'était des vrais jusqu'à présent? Non, je pensais que c'était pas des vrais, moi. Ils n'ont pas changé, tu as vu? Ils t'ont reconnu en plus. Indra, continue à croire ce que t'as envie de croire. C'est Indra. En tout cas, merci beaucoup. Je t'embrasse parce que moi je. Je peux t'embrasser, Passepartout? À bientôt. À bientôt. Je vous reviens dans 15 ans.
Voilà. Non, revenez avant, revenez avant. Salut les potes. Revenez avant, revenez avant. C'est pas chouette. Ne tire pas trop sur les bretelles, ça lui fait des sensations. Bon, encore merci à vous trois d'être venus. C'était un plaisir pour Olivier et moi pour de... aussi. Et ben de faire une émission à 5, tous les 5. Sophie qu'on a paumé pendant un moment, mais on était contents de la retrouver. Oui, c'est vrai ça. Mais non, Sophie, on l'a non, mais ça ne l'a pas vu. Et bon, on espère que vous êtes autant amusés que nous à regarder cette émission. Parce que le grand moment de l'émission, c'est quand même quand on voyait Patrice courir un petit peu. Oui. Voilà, comme ça. Oui. Hein ? Vas-y. Bon, la joyeuse Impala. Je vais te former en ralenti, si tu veux. Vas-y. Tu dis au revoir en même temps à la caméra. Tout dans le style, c'est comme tout dans le style. Bah, nous aussi, on va y aller. Alexandre, on est gentil ? Oui, on y va. Allez, à bientôt. Bon courage. Bon, à bientôt. Et n'oubliez pas, la semaine prochaine, 20h50, une nouvelle édition. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Oui, au revoir. Au revoir. Oui. Et voilà, c'est comme ça, comme d'habitude. Qui c'est qui va remettre de l'or dans le fort ? C'est Bibi Foy. Allez, ah là 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 là. Quelle jeunesse !